C'est dans ce petit restaurant branché de la capitale vendéenne que l'on peut déjà découvrir les harpies de Frédéric Jam. Ces créatures au corps d'oiseau, inspirées de la mythologie grecque, réalisées au crayon par l'artiste vendéen. Une vision contemporaine de la dualité homme-femme. Chaque image ne présente qu'un seul individu. Et donc déjà l'individu dans ce qu'il peut représenter dans sa solitude, sa propre solitude, hein, hors des relations, des rapports sociaux, quoi, hein. Mais en même temps, le fait que je fasse cette allusion au harpie, personnage féminin, donc méchant, et mettant en scène des hommes et des femmes, c'est pas ma vision du monde, évidemment. Je dis pas que les humains sont méchants, hein, ou quoi que ce soit, mais c'est, on peut se faire du mal, on peut être féroce, on peut être des prédateurs entre nous-mêmes dans les histoires d'amour. Qui finissent mal en général. Une critique douce et sociale pour cet historien de formation qui pose son regard à travers des images où l'on peut rencontrer deux illustres personnages, Sarah Bernard et Arthur Rimbaud. Sinon, on ne fait quasiment rien au beurre. Vous faites rien au beurre, ouais, parce que vous êtes bien local. Toujours dans le cadre du festival Culture Barbare, le restaurant Simone et Simone accueillera vendredi soir l'audacieuse musicienne et chanteuse Miette pour un concert aux sonorités turbulentes.